Michel Houellebecq n'a pas vu venir ce danger issu de l'islam. Parfait. Cette étude fait suite à ce texte. L'islam est une religion dangereuse, et ce, depuis son apparition. Michel Houellebecq insistait à la même époque dans un entretien publié dans le Figaro. La lecture du Coran est une chose dégoûtante, lâchait-il, dès que l'islam naît et se signale par sa volonté de soumettre le monde. Très bien, je vais montrer quelque chose de déstabilisant issu de l'islam, un autre Michel Houellebecq, local, pas international. Très bien, l'islam est une religion dangereuse et ce depuis son apparition. Donc application de la science al-moubine, rappel du postulat de base, tout dans l'univers est codé dans une nouvelle science issue de l'islam. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. La définition est simple. Tu as rencontré les nombres premiers dès le début du collège. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. Lui-même est 1. 2 divisé par 2 égale à 1. 2 divisé par 1 égale à 2. 3 est premier. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers, 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3, mais tous les nombres premiers sauf 2 sont obligatoirement impairs. Ça c'est la définition des nombres premiers. Tu les as rencontrés, monsieur Michel Houellebecq, dès le début du collège, et ce n'est pas à Michel Houellebecq que je vais expliquer les nombres premiers, parce qu'il est à la base ingénieur. Très bien, donc il faut savoir aussi pour comprendre cette science nouvelle, que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est premier, il a le rang 1. Il est le premier nombre premier. 3, il a le rang 2. C'est le deuxième nombre premier. 31 est le 11e, le 53 est le 16e, ainsi de suite. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2. B égale à 3. C égale à 5. Le dernier Z égale à 101. Le 26e nombre premier. Je rappelle que quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le dialecte utilisé, quel que soit l'alphabet utilisé, quel que soit le système de codification utilisé, ce que tu vas observer ici s'applique à l'infini. Donc observe bien. Nous allons appliquer la science al-moubine à ce texte. Donc l'islam est une religion dangereuse, et ce depuis son apparition, dans la langue des premiers, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, sans les rangs, et ici avec les rangs. Nous avons dit que le E, par exemple, il est égal à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait. Application de la science al-moubine au texte. Très bien, on arrive ici, les deux totaux. Je divise par le 114 et le 23. Les restes de la division euclidienne, le seul nombre supérieur au 23, c'est lui. Divise-le par le 23, le reste c'est 22. Il n'y a pas de nombre premier dans cette liste. Ces nombres-là sont imposés par al-moubine, ils ne sont pas à moi. De toute façon, tous les nombres ne sont pas à moi. Quand je pose une question, quand j'applique al-moubine à un texte, je ne sais pas sur quel nombre je vais tomber. Donc, observez bien. Lui plus lui égale à ce nombre, qui est le texte, ce qui est sorti de la bouche de notre ami Michel Houellebecq. Parfait. Maintenant, somme sans. Somme de la ligne principale. Somme avec. Somme de la ligne principale, est-ce qu'elle a engendré, selon la science al-moubine. Ce nombre est premier. Il a comme rang 36. Divise par le 23, le reste est 13. 13 est premier, il a comme rang 6. Parfait. Observe bien. Nous avons un rang. On peut continuer. Somme sans. Somme avec. C'est-à-dire somme de cette ligne avec le rang. Parfait. Maintenant, ce bloc particulier. Le seul supérieur au 23. 91 plus 22 égale à 113. 113 est le rang du nombre premier 617. Et ici, 16 plus 16. Le 6, vous allez voir ce qu'il va faire. 16 plus 16 égale à 32. Parfait. Observez bien. Lui, plus lui, ça c'est l'aboutissement. Ils ne sont pas premiers. Plus lui, plus lui, plus le nombre premier, moins son rang, moins le 32. Égale à quoi? Égale à ce nombre. Michel Houellebecq insistait à la même époque dans un entretien publié dans le Figaro. La suite du texte. Divise par le 114 et le 23, reste. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 12. Observe bien, s'il te plaît. 35 plus 9, c'est-à-dire la ligne principale, égale à 44. Maintenant, observe bien.
Lui. Tout à l'heure, c'était lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. Moi, moi. Maintenant, tout moi. Lui, moi, lui, moi, lui, moi, lui, moi, lui, moi, lui. Observe bien. Égal à quoi? Égal à ce nombre. Maintenant, observe, s'il te plaît. Lui. Moi, le 13, qui n'a pas encore travaillé. Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? La lecture du Coran est une chose dégoûtante. La suite du texte. Parfait. Maintenant, observe. 35 plus 12 plus 9. Tout à l'heure, nous avons fait 35 plus 9, la ligne principale. Maintenant, 35 plus 12 plus 9 égale à 69. 69 est le rang du nombre premier 347. Maintenant, observe quelque chose d'étonnant. Tout à l'heure, nous avons fait quoi? Nous avons fait lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, moins lui, moins lui. Maintenant, on va faire lui, moi, 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 plus, plus. Observe. Moi, 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 plus, plus. Égal à ce nombre. Maintenant, allez, explique. Lui moins lui donne quoi? Donne, encore une fois, la lecture du Coran est une chose dégoûtante. À la perfection. Parfait. Maintenant, lui moins lui. Égal à. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la somme des rangs de cette phrase répugnante. Lui moins lui, c'est la somme des rangs de cette phrase. Égal à ce nombre. Maintenant, la durée de la révélation. 23. Le fameux 23. Le nombre principal de Al-Mubin. 23 est premier, là comme rang 9. Maintenant, observe, s'il te plaît. Il y a deux nombres qui n'ont pas encore travaillé. 6 plus 6. C'est donc ce 12-là qui s'est isolé ici tout seul. Donc, ce nombre-là n'a pas encore travaillé et le 6 n'a pas encore travaillé. 6 plus 6 égale à 12. Parfait. Observe bien. Lui plus lui moins lui plus lui égale à quoi? Égale à 516. Lâchait-il? La suite du texte. La suite du texte. Là, tu vois bien, monsieur Michel Houellebecq, qui a une conscience, qui a codé tout ça. D'accord? Et cette conscience m'a permis de découvrir cette science issue de Coran. Une lecture intelligente du Coran m'a permis de découvrir ce que tu es en train de voir. Maintenant, Dieu. On a parlé de la durée de la révélation, Dieu. Le deuxième nombre principal de Al-Mubin. Ok. Maintenant, observe, s'il te plaît. Ces nombres-là, tout à l'heure, le bloc principal a fait des merveilles ici. Maintenant, ceux-là, 6 plus 16 plus 16, égale à 38. Très bien, observe bien, s'il te plaît. Ce nombre, le 38, avec lâchait-il? Ok. Avec ceux-là, d'accord? Ceux-là, lâchait-il, regarde. Et ceux-là, d'accord? Avec la lecture du Coran est une chose dégoûtante. Avec le 69 qui n'avait pas participé. Rappelle-toi, il n'avait pas travaillé. Avec la lecture du Coran est une chose dégoûtante. Ok, on s'arrête ici. Ça donne ce nombre. Observe la beauté de la chose. Dès que l'islam naît, il se signale par sa volonté de soumettre le monde. La suite de ton texte. Donc, regarde bien. Lui, avec Dieu, avec lâchait-il, avec lui, avec eux, avec la lecture dégoûtante. Donc, ces deux nombres et celui-là qui n'avait pas travaillé. Avec ce nombre, les deux qui sont imposés deux fois. Égal à ce nombre. Parfait. Maintenant, observe bien. Lui. D'accord? Lui, c'est-à-dire dès que l'islam, sa parole, ça c'est une parole à lui, ok? Avec lui, c'est une parole à lui, ok? C'est une parole, ok? Et c'est une parole qui s'est répétée, ok? Ce sont les paroles de notre ami. Égal à 11 281. Maintenant, Dieu, c'est 114. Observe, Dieu, d'accord? Avec le 69 qui s'était isolé tout à l'heure, qui n'avait pas participé tout à l'heure. Égal à lui. Observe bien, s'il te plaît. Le 11 281. Moins le 183 égale à quoi? Égale à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est un verset d'Allah. Ils veulent éteindre avec leur bouche, eh oui, mon ami, la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Monsieur le mécréant, regarde ce que Allah te dit. Comment tu espères éteindre la lumière d'Allah? L'islam, c'est la lumière d'Allah, avec ta petite bouche de rien du tout. D'accord? Très bien. Maintenant, on observe. Lui moins lui, le verset, le cœur du verset, égal à ce nombre. Très bien. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Observe bien. La parole qui est sortie de ta bouche. OK? La parole. Sans sa répétition. Ah, elle se répète. OK. Donc, la lecture du Coran est une chose dégoûtante. OK? Donc, cette parole-là, OK? Plus la lecture, OK? Plus. La première parole.
D'accord, donc ça c'est une parole. L'islam est une religion dangereuse, et ce depuis son apparition. Là voilà. Ensuite, celle-là, la lecture du Coran est une chose dégoûtante. C'est une parole qui est sortie de ta bouche. Ok. Celle-là aussi, dès que l'islam naît, il se signale par sa volonté de soumettre le monde. C'est ta parole. Ok. On va les sommer égal à ce nombre. Parfait. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Encore les nombres principaux. Lui. Plus lui, ce qui isole le 6 encore une fois. Donc lui, plus lui, ça isole lui, ça isole lui. Tu verras ce qu'ils vont faire. Donc lui, plus lui, égale à quoi? Égale à 54. Dieu, c'est 114, n'est-ce pas? Observe. Lui, moins lui, plus lui, dans le quoi? Oui, ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Quelques répulsions qu'en aient les mécréants. Waouh! Maintenant, le num de la sourate de ce verset. 9. Ce verset-là, sa sourate a comme numéro 9. Le numéro de ce verset dans la sourate, 32. Ça te rappelle quelque chose de 32, le 16 plus 16 d'en haut. Ok. Maintenant, 32 plus 9 égale à 41. 41 est premier, la comme rang 13, qui a comme rang 6. Observe, s'il te plaît. 41 plus 13 plus 6 plus ce 54. Tu vois? Ce nombre-là est Dieu, juste là, lui, pour former encore Dieu. Le voilà. Dieu, c'est le rang du nombre premier 619. Maintenant, nous avons fait 32 plus 9. Maintenant, 32 moins 9. Égale à quoi? Égale à 23. 23 est premier, là, comme rang 9. La durée de la révélation. Ça, c'est la durée de la révélation. Ça, c'est Dieu. OK? Ça, c'est Dieu. Et ça, c'est la durée de la révélation. 23 est premier, là, comme rang 9. Observe. Encore une fois. Lui moins lui. C'est-à-dire la somme des rangs du verset. Égale à ce nombre. Parfait. Maintenant, observe. 1766 moins 23 moins 23 moins 619, ok, égal à quoi? Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Ah oui, Michel Houellebecq, à la perfection. À la perfection, Michel Houellebecq. Tu vois ça là? C'est beau, non? C'est sublime. Ok, tu vois, ce nombre a été isolé. Ce nombre est premier, il a comme 87. Ok, observe bien. Les rangs juste là. Les rangs du 41. 13 plus 6. Égal à 19. 19 est premier, là, comme rang 8. Observe bien, s'il te plaît. 87. Plus 19 plus 8, égal à 114. Dieu, qui est le rang du 619, n'est-ce pas? Maintenant, observe. Le 114, la première fois. 114, Dieu, plus 23. Égal à 137. Et le deuxième, 114, plus 23. Égal à 137. 137 est premier, là, comme rang 33. Parfait. Observe bien, s'il te plaît. Le 619, plus l'autre 619, observe, moins le 137, t'en donne Michel Houellebecq, Michel Houellebecq, à la perfection. Parfait. Maintenant, observe la beauté des choses. 87 moins 33, les rangs qui se suivent. 87 moins 33, égale à 54. Et idem ici, parfait. Maintenant, observe bien. 33 avec le rang qui le précède. 33 plus 8, égale à 41. 41 est premier, là comme rang 13, là comme rang 6. Tu te rappelles de 53, tu te rappelles de 41. Tout ça pour faire quoi? Lui, plus lui, plus lui, plus lui, égal à Dieu. Idem ici. Le voilà. Parfait. Maintenant, 13 plus 6, égal à 19. 19 est premier, là comme rang 8. Tu te rappelles, 19 plus 8, plus ton 87 à toi, Michel Houellebecq, égal à 114, 114, Dieu, à la perfection. Ok. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Observe. Lui moins lui, la somme des rangs de Michel Houellebecq, égale à quoi? Égale à ce nombre. Parfait. Observe, s'il te plaît. Lui. Avec lui. Avec lui, avec lui. Avec lui, avec lui, avec lui. Avec lui, avec lui, avec lui. Avec eux, observe bien, c'est bon? Ça s'arrête? On arrive ici. Maintenant, Michel Houellebecq, 87. Laurent, moins lui, moins le 9. Tu te rappelles? Lui et lui, ceux qui se suivent, ensuite le 33 avec le 8, maintenant lui, moins lui, moins lui. Regarde comment Dieu les a posés. Égal à lui, observe bien. Dieu, c'est 114, n'est-ce pas? Et n'oublie pas, ça c'est 23 fois 2. Le 23 s'est imposé juste là, fois 2. Le 23, il s'est imposé deux fois précédemment, n'est-ce pas? Donc observe bien. Lui, moins la différence des deux, égal à ce nombre, tu le connais. Michel Houellebecq, qui a fait ça. Maintenant, la somme des Michel Houellebecq. On va sommer tous les Michel Houellebecq. Tous les 1101, tous les Michel Houellebecq qui essayent, le pauvre, de éteindre la lumière d'Allah. Égal à ce nombre. Tu te rappelles, il y a deux nombres qui se sont isolés tout à l'heure. Dans les nombres principaux, tu te rappelles.
On a fait, tu te rappelles bien, on a fait lui avec lui avec lui. Maintenant, ça a isolé cela. Lui plus lui. Égal à 97. Le 97 est le rang du nombre au premier 509. Maintenant, Dieu, c'est 114. La durée de la révélation, 23. 23 est premier, la commande 9. Observe. Lui, moins lui, plus lui, plus lui, moins lui, égale à quoi? Égale à lui. La traduction, le verset initial, le verset du Coran. C'est le fameux verset qu'on vient de voir, qui s'est imposé deux fois. Le voilà, qui a fait ça. Maintenant, lui moins lui, la somme des rangs du verset. Tu vois la même science. Avec Dieu encore. Ok, observe la beauté de la chose. Lui, plus lui, moins ton rang. Moins ton rang, nous avons sommé Michel Houellebecq sans son rang. Donc, moins le rang, donne ça, Michel Houellebecq, à la perfection. Qui peut refuser ça? Allez, montrez-moi. Qui peut refuser ça? Allez. Qui est cette personne saine du corps et d'esprit et de l'âme qui peut réfuter ça ou refuser ça? Allez, je vous lance le défi. Pensez. Merci, à vous, à la prochaine.